break. Quatrième, à part s'il était de temps frontière, nous on n'a pas entendu. On n'en avait fait que trois sur le secteur là. Il y avait simplement Jean-Paul, Fabrice et moi. Et donc j'ai embriqué. Donc on était au départ on était que trois. Donc maintenant actuellement on est quatre. Voilà, voilà. Ouais, je trouvais bizarre que Jean-Paul ne se reconnaisse pas. Mais ouais, il n'avait pas percuté que c'était toi. Voilà. Merci les stations pour le petit blanc, je bois pas, je suis au régime sec. Non, je plaisante, les motions 1351 à vous tous, les stations de la part de Dandy 33. Eh bien voilà quelque chose qui fait plaisir. On arrive sur le QSO, il y a déjà du monde. Alors, j'ai cru entendre Jean-Paul, mon ami, les bonnes sont 1351 toi, en espérant que tu ailles mieux. Fabrice, eh bien, on s'est entendu hier soir, il n'y a pas de souci, je sais que tu vas bien. je crois qu'il y a quelqu'un des Charentes aussi, si j'ai bien compris. Plus 14 Alpha Mike 04, si j'ai bien entendu l'indicatif, Hervé, du Nord Gironde. Eh bien, bienvenue à tous sur le QSO du canal 27. Alors, pour les nouveaux, histoire de motiver les autres stations sur l'ensemble de la France, bon, cette première demi-heure est évidemment filmée. Voilà, c'est notre moteur, justement, cette vidéo, pour que ça se propage sur l'ensemble de la France. Voilà. Retour Jean-Paul, parce que là, ça fait quand même un moment qu'on t'a pas entendu. Hein. Ok, merci. Ben pour ma part, je sors de table. Voilà, c'est pour ça que je peux pas être plus tôt. Je peux pas être là plus tôt. Je pense qu'il devrait bientôt y avoir Eric qui va nous rejoindre, 14 Victor Echo 27. Bon, il m'a pas dit qu'il serait pas là ce soir, donc il devrait participer au QSO. Hier soir, il y avait Coco 33 du côté de Saturday Pizza Belay, là, qui était dans le QSO. Bon, il nous a informé qu'il ne serait pas là ce soir. Chameau, ce soir, vaut mieux pas qu'il vienne dans le QSO. Hachi, il fait la fête. Donc je pense que de son côté, au niveau des neurones, il risquerait d'y avoir pas mal de QRM. Hachi, trois coups. Retour Jean-Paul. Préférer moduler dans les meilleures conditions pour pouvoir peut-être.
être entendu par tout le monde. Voilà, retour micro Dundee. Ouais, je me souviens, c'est le vendredi de la semaine dernière, le vendredi après-midi de la semaine dernière. À l'aller, j'avais eu Jean-Paul sur la route. J'étais parti justement chez faire un visu chez Coco 33. Et au retour, j'avais eu Fabrice et toi en fréquence. Bien content de ton retour sur les ondes. C'est vrai que ça doit faire bizarre de reprendre le micro comme ça. Là, il doit y avoir une petite appréhension, une petite excitation en même temps, ça doit être... Vas-y, dis-nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça navigue en plus. Enregistrer le break, désolé, on a quelqu'un qui nous nettoie la fréquence, là, quelqu'un de bien gentil qui nous enlève l'UQRM, là qu'on est en fréquence. Bon, c'est pas bien méchant, on va faire avec, c'est pas grave. Les 73, Eric, voilà. Alors, Eric, nous avons, alors ce soir, il y a du monde, hein. Il y a Jean-Paul, voilà, il y a Fabrice, il y a un nouveau ancien qui revient en fréquence sur la CB, c'est-à-dire Jean-Philippe qui est au sud Charente. Il y a 14 Alpha Mike 04 Hervé, qui est l'extrême nord Gironde. Voilà, et toi maintenant parmi nous dans le QSO, en compagnie d'un accompagnement musical, Hachi. Retour Eric. Faire des petits allers-retours là, parce que j'ai mon fils qui est en demi-finale là, c'est à Bordeaux en place de la victoire là, pour, dans un jeu de rôle. Donc il est face au champion de France, donc il est en demi-finale, donc je vais faire des allers-retours, voilà. Retour à lui. Ok, merci, les mots sont très à toi. Je vais faire un retour de suite sur Jean-Paul qui a été absent là de QSO pendant un petit moment. Alors je saute sur l'occasion pour vite lui redonner le micro. Jean-Paul pour Eric. Ouais, revanche sur Eric, je l'ai entendu aujourd'hui d'ailleurs. Revanche sur Eric, merci de ton passage et puis j'espère que ton fils va gagner cette demi-finale et qu'il va gagner la finale même. Ça serait très bien, hein, ça serait très bien les gens qui gagnent la demi-finale et qui gagnent la finale. Donc j'espère que tout ira bien. Allez, je vais suivre tout de suite à Fabrice pour qu'il te salue. Ok, oui, ben on l'a eu tout à l'heure, oui, j'ai eu aussi alors, tout à l'heure en même temps. Donc voilà, le bonsoir à lui. La bonne bidouille avec son fils là. Et puis voilà. À plus tard. Yeah.
Ok, voilà, je suis en même temps en train d'assurer le suivi là sur le forum et sur Facebook. Voilà, pour vous montrer que bien nous, il y a du monde. Là, c'est vrai que là, ce soir, c'est vraiment génial. Voilà ce qu'on attend depuis le début, avoir de temps en temps des nouveaux qui arrivent dans le QSO. Ça rend le QSO un peu plus intéressant. Et ça permet d'avoir de nouveaux sujets de conversation. À propos de ça, Fabrice, il y a quelque temps, on avait parlé de ta web radio. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que le nombre de visites a augmenté de ton côté, hein? Ouais, bon, j'espère que quand même ça a servi à quelque chose, là, qu'il y a eu un petit plus. Oui, par moment, ça monte, et comme je dis, ça monte, ça descend. Donc c'est par période, beaucoup d'étrangers aussi, comme d'hab, et bon, mais c'est comme ça, il faut que ça tourne. Ça tourne toujours pour l'instant, donc il n'y a pas de problème. Voilà, on peut faire tourner la suite. Ok, d'accord. Tu veux faire un retour de micro sur Jean-Philippe, Fabrice? Oui, ben celui qui veut, là, il n'y a pas de problème. Voilà, celui qui veut prendre, il y a un peu la musique musicale, la petite portée musicale derrière, là. Mais bon, ça va, elle n'est pas trop violente, donc c'est compréhensible. Ça brouille pas trop les ondes. Ouais, ça c'est l'avantage de la BLU, hein, justement, par rapport à l'AM. La même chose en AM, c'est bon, le QSO il est par terre. Hachi. Là, en BLU, ben, ça passe à travers, et puis tout simplement, voilà. Ok, eh bien, je sais pas, je vois que tu hésites. Eh bien, tiens, justement, 14 Alpha Mike 04 RV. Retour de micro pour nous parler un petit peu de toi, car si je t'ai déjà eu en fréquence, excuse-moi, je m'en souviens plus. Ben là, tu m'as donné plus qu'il n'en faut. Là, tu m'as donné l'entrée, le plat de distance et le dessert. Hachi. Ok, t'as dit le mot magique. Eh bien, pour moi, l'antenne, elle est au centre du toit du Duster. Donc, c'est pareil. De temps en temps, eh bien, je suis sur la rocade de Bordeaux. Sur mes créneaux horaires, eh bien, le soir ou le matin, eh bien, à chaque fois, je fais un petit bonjour sur le haut du pont d'Aquitaine. Comme là, ce week-end, je suis en journée. Donc, vers les 18h10, 18h15, dans ces eaux-là, ben, voilà, j'ai envoyé un petit bonjour à tout le monde là sur le 19.
Ce matin, bon, je savais qu'il n'y avait personne, mais c'est pas grave. On ne perd pas les bonnes habitudes. J'ai passé le pont d'Aquitaine, il devait être 6h moins 20 ce matin, je crois. Quelque chose comme ça. Donc un petit bonjour à tout le monde quand même. On sait jamais, des fois on est surpris, ça répond. Tiens, à propos de surprise, je me souviens là il y a quelques années, bon, il y a peut-être 3 ans, 2 ans peut-être. On revenait de, oh, je sais plus quoi, du côté de Mérignac, je crois, un truc comme ça. Il était 23h. On attrape le pont d'Aquitaine. Et j'ai dit à mon YL comme ça, toi, j'ai envoyé un appel, j'ai envoyé le bonjour à tout le monde depuis l'aube du pont d'Aquitaine. Il n'y aura personne qui va répondre. Ah putain, je me suis fait avoir. À la réponse, il y a aussitôt quelqu'un qui a répondu derrière. J'étais le premier surpris. Ouais, je chie trois coups. Ok, pour le Duster, c'est bien noté, c'est enregistré. Je manquerai pas de venir te tamponner l'arrière pour te faire un petit coucou. Je chie trois coups. Retour Hervé. Ok, Annie, merci pour le retour. Mais fais attention, je suis là que de remorque derrière. Donc ça peut être la fenêtre dans le trou pour un calandre. Je tiens, voilà. Ok, mais écoute, je vais retourner le micro sur Fabrice. C'est parce que j'aimerais bien que Fabrice me dise où c'est qu'il est dans le 24. Parce que je connais bien le coin. Je pense qu'il ne va pas être très très loin de Chalet, mais bon, parce que ça. Bon, là-bas, c'est, on n'est pas très très loin, quoi, à travers. Donc Fabrice, retourne. Ok, ben voilà, il n'y a pas de problème, après on fera tourner sur Jean-Philippe, là, qui sont sur Chalet. Ok, ben moi je suis en Dordogne, là, je suis à, on va dire, à 70 km de Périgueux, et 70 km de Bordeaux, et je me trouve à une quinzaine de kilomètres de la ville de Montbeau-Ménestérol, côté Gironde, voilà, dans un petit village qui s'appelle Menzac. Je connais ce coin-là. Voilà. Bah, écoute, on retourne le micro comme conduit donc sur Jean-Philippe. Jean-Philippe, micro de retour pour l'ensemble du QSO. Ouais, ok, merci Hervé. Merci pour le retour de micro. Moi de mon côté, là, j'ai en fait un petit portage médical, j'ai un QRM industriel là. Et pour vous sortir malgré les filtres, c'est pas évident parce que là ça monte fort. Donc je vais rester, je pense, un petit peu en QRX pour l'instant. Voilà, retour Jean-Paul. Merci pour le retour, Jean-Philippe. Ouais, je trouve que c'est un peu lamentable quand il y a un QSO comme ça, qui se forme et qu'il y a quelques personnes qui veulent discuter et qu'un gars vient s'amuser comme ça, faire de la musique. On se croirait revenir aux années 80. Je pense que bien au contraire, ça serait bien puisqu'il a un poste, puisqu'il fait de la musique, il faudrait mieux de discuter dedans que plutôt faire de la musique. Voilà, pour moi c'est nul et non la venue. Donc pour moi c'est comme ça. Voilà, donc je dis toujours ce que je pense et je le dirai toujours. Voilà, c'est sur ce, moi j'ai pas grand chose à dire, hein, j'écoute, je fais parler un petit peu, tout à l'heure je n'ai pas reconnu Hervé. Je suis à des moments, j'ai la tête un peu à l'envers, c'est vrai que je prends beaucoup de médicaments, hein. Donc j'ai la tête un peu à l'envers, et puis c'est vrai que ceux qui sont loin comme ça, là, c'est vrai que ceux qui sont loin, ils entendent, nous on s'entend, mais ceux qui sont loin, la musique ça perturbe un peu. Voilà, nous, lundi, il va bien m'entendre. Je pense que ce soir, tu devrais bien m'entendre, lundi. Tu m'étonnes. C'est radio 7 sur 5. Et Santiago, heureusement que c'est un smet à diode que j'ai. Parce que là, pour le coup, j'aurais l'aiguille qui ferait deux fois le tour. C'est plus 30, plus. Ah ben oui, mais que si j'étais obligé de monter un peu tout à l'heure pour arriver parce qu'il y avait un peu de bruitage et j'étais obligé de monter un petit peu. Alors comme si j'essaye mon nouveau poste, c'était un peu, mais il fait que 4 watts, alors je l'ai mis à 5 watts. Voilà, donc c'est pour ça que tu m'entends un peu plus fort. Voilà, ben tiens, justement, je vais retourner le micro à Hervé parce que là, comme je ne l'avais pas reconnu, maintenant que je l'ai reconnu, Hervé, il va reprendre le micro. Bon, je ne vais pas lui dire que c'était lamentable. Oh,
Ok, Hervé, retour de micro pour Jean-Paul. Moi, c'est pareil, je suis partisan de dire les choses en face, hein. C'est toujours mieux de faire ainsi, mais là, pour le coup, c'est pas grave, il se calmera avant nous, hein. Voilà, nous, de toute façon, il est hors de question qu'il nous fasse arrêter le QSO du canal 27. On est en même temps les moteurs là, sur les autres régions, donc il faut de toute façon qu'on continue, c'est pas lui qui va nous faire arrêter, loin de là. Oui, exactement, c'est bien un petit peu ce que je pense, et de toute façon on est là pour essayer de former un QSO et de refaire remarcher cette fréquence, et c'est très bien comme ça, je trouve que c'est parfait, mais il faut que tout le monde puisse participer, et si tout le monde participe et si le calme y est, mais tout le monde pourra participer si c'est calme, voilà. C'est surtout ça, parce que après les gens se découragent et puis ils ne reviennent pas. Voilà, ça serait préjudiciable de faire des trucs comme ça. Voilà, donc je vais voir si Jean-Philippe, lui, ils en m'entendent quand même. Alors là, c'est catastrophique, les gars. Tout le monde s'est surmodulé. Tout le monde a... Oh là 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 là. Ouais. Mais retour à toi le micro, alors, puisque tu l'as, vas-y. On m'avait repassé le micro et j'ai continué à parler en te passant le micro. Tu es repassé dessus. Enfin, tout le monde a surmodulé tout le monde. Donc, voilà. On va repasser sur Dundee, là, en centralisant la chose. Dundee, tu peux relancer un petit peu le truc, là, redonner un petit peu le micro. Ok, d'accord, ça marche. Je t'ai bien compris. Alors, je vais retourner. Je vais m'adresser là ce coup-ci à Jean-Philippe. Jean-Philippe, voilà, on a commencé avec toi tout à l'heure. Je t'ai demandé justement quelles étaient tes impressions là pour revenir là sur la, au niveau de la, revenir sur les ondes. Peut-être un petit peu d'anxiété, d'envie, ainsi de suite. Mais je t'ai pas demandé pour le moment comment tu étais équipé là de ton côté. Voilà, j'ai cru comprendre que tu attendais de mieux t'équiper par la suite. Mais pour le moment, de quelle façon tu trafiques? Comment tu es équipé, là, Jean-Philippe? Oui, ben c'est moi qui te... Attends, les conditions de trafic, c'est une base galaxie et puis une antenne 5/8, voilà. Mais sinon, bon, ben, tu vois, quand tu vois tout le monde se surmodule, non, il n'y a aucune appréhension, il n'y a pas grand-chose qui a changé non plus. Ah, je suis pour ça. Non, mais c'était un petit peu gênant tout à l'heure parce que là, ça a été vraiment la cacophonie, là. Ouais, affirmatif. Mais c'est vrai que ce soir, on fait très très fort, là. Là, de mémoire, je suis pas sûr qu'on a eu un QSO aussi animé que celui de ce soir. Fabrice, toi qui es très souvent là, Jean-Paul aussi, hein, même si tu étais absent là sur quelques coups, là je crois que là, ouais, là c'est. Je dirais pas que ce QSO était marqué d'une pierre blanche. Ça serait y mettre de l'humour. Mais bon, c'est vrai que là, ce soir, c'est vraiment très fort. Bon, dommage que Chameau ne puisse pas être avec nous. Dommage qu'Eric, 14-8-27, fait un petit peu la navette. Donc, il n'est pas très présent non plus. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas un problème. Dommage que Coco33 ne soit pas là non plus. Coco33, c'est une station qui est principalement en AM. Et donc, qu'on a réussi à faire venir là parmi nous, pour lui montrer que, ben si, il y a toujours du monde en fréquence, et c'est toujours très actif, qu'on fait quelque chose justement au niveau local, la propagation est en baisse, et bien justement, c'est l'occasion de favoriser les QSO locaux, quoi. Voilà Jean-Philippe, un petit peu le but là, de ce QSO là, du canal 27. Voilà, favoriser au maximum les QSO locaux, surtout en fin de semaine comme ça, les vendredis soirs et samedis soirs, parce que bon, les gens sont débarrassés de leur travail de la semaine. C'est le petit moment de décontraction, le petit moment pour parler avec les copains. On peut aussi bien parler technique comme de n'importe quoi d'autre.
Si quelqu'un là de suite maintenant envie de parler technique, il n'y a pas de souci, j'en bafouille moi. Il n'y a pas de souci, on démarre de suite dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, Jean-Philippe, en espérant que ce QSO te plaise. De toute façon, oui, parce que sinon, je ne serais pas venu à Chiporsa. Non, mais c'est bien de relancer. C'est vrai que ça m'a un petit peu surpris, là, quand je suis revenu, de n'entendre plus personne sur le 19, sur le 27. Bon, c'est vrai que les petits soucis de propagation également, qui font qu'il y a beaucoup moins de monde. Mais je trouve quand même que c'est bien de recentraliser un peu le truc et puis d'essayer de relancer comme ça dans chaque région, si possible. Et de remobiliser un maximum de personnes. Voilà ce que j'en pense. Voilà, voilà. Allez, Fabrice, envoie du pâté. Ouais, j'en prends la courgette. Oui. Ben, pris. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, bon, que moi, je suis venu là-dessus. Depuis cet été, là, je suis venu là. Avant, c'est vrai que, bon, quand il y a de la propagation, c'est vrai que, bon, mais on reste beaucoup sur le 555, attendre la propagation, ou alors après discuter sur la fréquence où on discute. Donc voilà, mais c'est vrai que bon, c'est tellement calme sur la M que ben, on n'y va presque pas. Donc voilà, il y a un petit cuisson qui se fait un peu le vendredi. Bon, c'est sûr que c'est que le vendredi et le samedi. Pas tout le temps parce que ben, dès qu'il y en manque un, les autres viennent pas. Donc ça, c'est pas évident non plus. De prix, donc on peut pas être en fréquence, ça sonne là, rien. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'est bien d'avoir un peu de tout là, depuis des azimuts de région, c'est bien parce que ben, tu vois, là il y a moitié Gironde, moitié Dordogne, moitié Charente, des fois il y a le Lot-et-Garonne aussi. Donc voilà, c'est du local, on reste sur du local encore, mais bon, peut-être que ben, un jour qu'il y aura de la propagation sur ces bandes là. On aura peut-être l'occasion de pouvoir traverser autre que le local, mais bon, voilà, pour se dire victoire un jour. Et puis voilà, au moins ça sera le but de créer le canal 27, quoi. Voilà, donc bon, après c'est déjà pas mal qu'il y ait du local un peu dans les coins. Bon, c'est dommage qu'on entende toujours les mêmes, mais bon, on va faire avec. Voilà, c'est ce qu'on dit. Voilà, allez, autour d'un team. Ouais, j'ai oublié quelqu'un aussi, j'ai cité plusieurs personnes qui manquaient, mais il y a Belfegor aussi là qui commençait à bien passer là sur les derniers QSO. Et là je l'ai aperçu là tout à l'heure là sur le de passage je crois sur le forum. Et bon il doit être aussi occupé par ailleurs. Bon, c'est pas grave. Ouais, je sais bien, toujours discuter avec les mêmes personnes, mais justement, c'est là où il faut se creuser un petit peu les ménages les uns les autres pour trouver de nouveaux sujets de conversation. Voilà, à chaque fois, faire du renouveau et ainsi de suite. Voilà, parce que bon, comme je dis à chaque fois, c'est pas le QSO d'une personne, c'est le QSO d'un ensemble de personnes. Et voilà, c'est à chacun d'entre nous de trouver de nouveaux sujets, au contraire, hein, bien au contraire. Voilà, c'est comme ça que le QSO devient de plus en plus intéressant et grandit, quoi. Ouais, tout à fait, je reprends. Hein. J'ai une petite question, là, 2 minutes, là, vite fait. J'ai vu sur ton forum, là, que t'avais mis un petit truc, là, je sais pas si c'est toi qui l'as mis. Attends, 2 minutes, je le mets en route, là, pour voir. Alors, la vidéo touche à la fin. Ok, voilà, ben c'est